Alors ? C'était sympa. Par contre, j'avoue que même si cette version est quand même vachement cool, je suis assez nostalgique, tu sais, des films de quand on était enfant. C'est vrai que c'est la mode de reprendre d'anciennes séries ou d'anciens films pour les remettre au goût du jour. Mais bon, tu sais, ça a toujours été comme ça si on y réfléchit bien. Oui, c'est vrai, t'as raison. Mais c'était quand même une super époque. Oh, je sais ce qu'on peut regarder. Dans notre monde, où les sorcières cohabitent avec les humains dans le plus grand des secrets, l'amour interespèce n'a pas sa place. Et pourtant, des siècles de persécution nous ont poussés à cacher notre vraie nature ainsi que nos croyances et à vivre reclus. Jusqu'à ce qu'un sorcier s'éprenne d'une humaine. Et c'est ainsi que je suis née. Je suis Sabrina Spellman, moitié sorcière, moitié humaine. Sabrina, à ton âge, il est grand temps que tu dises adieu au monde des humains et que tu rejoignes enfin l'église de la nuit. Ton baptême obscur approche et si tu veux devenir une sorcière accomplie, tu as intérêt à te tenir prête. Bien sûr que je souhaite devenir une sorcière accomplie, mais il m'est impossible de quitter mes amis et Hervé. Je n'ai pas besoin d'intégrer cette école de sorcières. Je n'ai pas ma place là-bas. Les sœurs du destin. Salut Sabrina. Alors Sabrina, toujours décidée à déshonorer les sorcières en taquinant avec des humains? Je crois qu'il est temps qu'elle comprenne à quoi ressemble une vraie sorcière. Qu'est-ce que vous faites? Non. Peut-être devrions-nous la laisser là. C'est une excellente idée. Sabrina, une hybride comme toi n'est pas digne de te rejoindre. Mets-toi ça dans le crâne. Tu as tout le temps pour m'aider. Je dois me concentrer. Je dois devenir plus forte. Il faut que je rejoigne les deux, mais à ma manière. Chers membres de l'Église de la Nuit, en tant que grand prêtre, j'ai l'honneur de vous transmettre les désirs du Seigneur Obscur. Nous accueillerons prochainement une nouvelle recrue en la personne de Sabrina. Ce jour est marqué par les commémorations du sacrifice fait par notre Coven, et le Seigneur Obscur a souhaité organiser un sacrifice à cette occasion. La personne dont la bougie s'éteindra aura l'honneur d'être choisie par notre Maître Satan. Voyons qui sera l'heureux élu.
choisie. Toutes mes félicitations, jeune Agatha. Vous avez été choisie par notre Seigneur. Que le sacrifice commence. Agatha, ne fais pas ça, ne touche pas Sabrina. C'est un véritable honneur d'être choisie par le Seigneur. Agatha! Ça suffit! Tu veux que ta sœur meure et que tu ne la vois plus jamais? Ça serait horrible. Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas d'une église de la nuit qui sacrifie ses fidèles. Satan doit être destitué. Qui est avec moi? Arrêtez! Hérésie! Ah! Pour une bride, tu ne dis pas que des bêtises. Satan. Quelles sont mignonnes ces petites sorcières, pas coutume. Il est là.